I don't know if you can hear me. I'm stranded here on this station. There's only a few of us left now. There's something stalking us. And now it's hunting me. Eh bien, salut à tous, chers amis, ici Necros, le seul, l'unique, et bienvenue dans notre 24e épisode d'Alien Isolation. On s'était arrêté là lors du dernier épisode, on a pas mal de choses à faire du coup, a priori. Comme je disais à la fin du dernier épisode, en fait, on peut descendre là. Je sais pas si on voit, il y avait une porte en fait. Voilà, il y a une porte en dessous là, à laquelle on peut accéder. Il y a plusieurs chemins en fait qui s'offrent à nous. C'est vrai qu'il faut un escalier, voilà, sinon on peut pas lever les genoux. On a cette porte là, Implant Wards. Où est-ce que je dois aller du coup? Dans Sixon Synthetic, ouais, faut juste que je le trouve, donc du coup je peux me balader librement, parfait. Donc on a voilà la porte là-bas, on a cette dalle qui bug, a priori, très bien, et on a ici. Je sais pas où est-ce que ça nous mène, on va se balader un petit peu, on va voir tout ça ensemble, chers amis. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Oh putain, c'est tellement sombre, on voit que dalle. Ok, munitions de revolver, je m'en sers pas assez du revolver, mais c'est détecteur, machin, ok, ça je suis full. Tac, 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 qu'est-ce qu'on a là? Émetteur de son, ok. Ça peut éventuellement nous servir face au synthétique, même si je trouvais que c'était quand même plus utile contre l'alien. Mais étant donné que pour l'instant il n'est plus là, on n'a pas à s'en préoccuper. Et je dis bien pour l'instant. J'ai encore du mal à croire qu'on ne le reverra plus. Hein. D'ailleurs, comme je disais, je soupçonne Samuels d'essayer de le faire revenir. Je sais pas pourquoi. Ok. Ah ouais, donc il y a une caméra. Ça c'était sûr. Ok, pardon. Bah non, pas pardon. Vous allez me laisser tranquille, sans déconner. J'avais un taser là. Ah non, lâche-moi. Oh non, mais d'accord, c'est la merde en fait. Ah. Mais ouvre-toi, saleté de porte! Une IEM! Attends, je vais essayer de les rassembler. Je sais pas si c'était une bonne idée d'activer. Deux petits cons. Putain, je suis con, j'aurais pas dû. J'ai caché mes balles de fusil. Ok, c'est pas grave. Ça va bien se passer. Bien! Ce qui est chiant, c'est que je peux pas les fouiller. Je veux dire, y a rien à ramasser sur eux, quoi. Alors, un petit medikit. Ça fera pas de mal, parce qu'ils font mal, hein, ces salauds. Ils font vraiment mal. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant? J'ai pas mal de balles de revolver. J'ai plus qu'un seul taser. Le truc, c'est que les fusils à pompe, j'arrive à les... Elle est défoncée assez facilement en fait. Oh, salut. Il est dos, autant en profiter. Oh mais genre quoi. Je suis en train de te taper. Un jour où tu crèves toi. Possible ça. Faire emmerder comme ça. Bon. Faudrait trouver un truc qui me permette de les détourner en fait. Faire en sorte qu'ils deviennent... Qui se tuent entre eux, c'est tellement plus simple. Alors, on va désactiver cette caméra à la con, qui va plus nous emmerder qu'autre chose. Voilà. Et il n'y a rien d'autre à faire. J'ai entendu un bruit qui ne me plaît pas. Ça m'a l'air d'être à peu près safe. Ah, c'est de la camelote. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Rien. Il y a une plaque.
dans laquelle je vais pouvoir me balader un petit peu. Mini UM, j'en ai deux. Je peux plus en fabriquer pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai en... Ah, j'ai pas mal de trucs. Je peux me fabriquer des medikits. Oh, j'en ai encore trois. J'en ai encore trois. Je vais y garder. Je vais garder ça pour l'instant. Cocktail Molotov, j'ai dit. Il faut que j'essaye sur eux. Histoire de les cramer un petit peu. Toi, tu vas te réveiller ou pas? Non, t'es mort. La Camelot. Ok. Bon, j'avais dit que dans cet épisode on parlerait un peu de Prometheus. Je sais pas si je vais y arriver. Parce que comme je vous ai dit, j'ai pas mal de choses à dire dessus. Je vous avoue que c'est un peu stressant en fait d'avancer dans cette ambiance. Avec tous les synthétiques. C'est pas aussi stressant qu'avec l'alien, mais quand même. Quand même. Bah le truc c'est que les synthétiques déjà ils courent pas. Ils marchent, donc on peut les fuir assez facilement. Et puis surtout on peut les tuer. Donc déjà rien que pour ça, ils sont quand même plus simples à affronter qu'un alien. L'alien on peut juste le faire fuir. Il y a une petite musique d'ambiance là qui est sympathique, j'aime beaucoup. Ok, je regarde en dessous des fois qu'il n'y a pas des trucs à récolter quand même. Putain mais c'est immense ici là. C'est quoi, c'est un cercle le truc ou... Ah non d'accord, c'est que des petites zones comme ça. Lui il va se réveiller. Non, il est mort. Désactiver toutes les caméras. Sauf que celle-là j'ai l'impression qu'on peut pas en fait. Hein. La Camelot. Putain, de la Camelot il y en a au large. Est-ce que je peux seulement les détruire en fait? Apparemment non. Comment je les désactive celle-là? Ah d'accord, le boîtier au bout. Le boîtier de ce côté-là, lui. Je sais pas s'il va se relever. On va déjà désactiver la caméra, on verra après. Hop là. Ok. Ça, c'est fait. Toi, t'as plus de tête. Avoir du mal à te relever, forcément. Utiliser le syntoniseur, ok. Alors, je vais déjà commencer par aller me balader là en dessous. Voir s'il n'y a pas deux ou trois trucs à récolter. Ça peut éventuellement être intéressant. Là-bas, c'est un cul-de-sac, il n'y a rien. Ok. Donc oui, je disais, on va commencer tout doucement, Prometheus, en fait, beaucoup de monde l'a critiqué, ce film, et à tort. Pour moi, il a été critiqué à tort sur beaucoup de détails. Je veux bien admettre, c'est pas le film de l'année, c'est pas un blockbuster de ouf, machin, etc. Mais, c'est officiellement un préquel à la saga Alien, et ça, personne ne va me dire le contraire. Je vais vous expliquer pourquoi, vous inquiétez pas. Ok, des piles de lampe torche, je vais la recharger. Clairement, c'est un préquel à la saga Alien. C'est un film Alien. On peut très clairement le compter dans la saga Alien sans aucun doute. Et en fait, les critiques qu'il y avait, que tout le monde, enfin la plupart des gens ont tendance à critiquer. Ah, je peux pas le fouiller lui. On est dans un de ses états, le pauvre. On ne peut pas le fouiller, très bien. La plupart des gens critiquaient en fait. Les soi-disant incohérences qu'il y avait dans le scénario de ce Prometheus par rapport à la saga Alien, bien que honnêtement il n'y en a pas tant que ça, quand tu regardes bien. Il y en a qui disaient oui mais les incohérences principales sont l'évolution du virus Alien en fait, qui fait que la première fois ça transforme le mec en une espèce de zombie chelou et tout ça. Moi je tiens juste à vous préciser une chose, il n'y a rien d'illogique là-dedans étant donné que le fait qu'un alien ressorte de l'hôte, c'est parce qu'il a été infecté par la petite main, le bébé, je sais plus comment on appelle ça en anglais, ce qui ressort de l'œuf en fait. La bestiole qui ressort de l'œuf alien va pondre dans l'hôte humain et va en ressortir un alien, qu'on connaît tous, un xénomorphe, qu'on connaît tous de la saga Alien. Ceci dit, là, dans Prometheus, la première fois qu'on voit un mec se transformer entre... Ah merde, qu'on le voit se transformer entre guillemets. Pourquoi ça disparaît là? Mais c'est quoi cette connerie?
Je bouge pourtant pas le joystick. Non mais elle est où la blague là? Je manque de temps ou... 14 secondes, ça devrait le faire, non? Ok, je comprends pas. Que se passe-t-il? Attends, ça va alerter tout le monde en plus. C'est quoi ce bug? D'accord, là, je ne bouge pas le joystick. Et là, ça marche. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Bref. Donc oui, voilà, l'évolution de... C'est Samuels? C'est Samuels, ok. S'il vous plaît, je suis heureux de vous voir en vie. Le périmètre de sécurité d'Apollo a été conçu pour que seuls les synthétiques de Sixon puissent interagir avec lui. Et donc? Écoutez-moi, je vais devoir prendre des mesures plutôt radicales si je souhaite me connecter à Apollo. Je t'en prie, va au bout de ta pensée, s'il te plaît. C'est tout? Ripley, tu pourrais réagir quand même. Incroyable ça. T'es devenu muette d'un coup là. C'est pas grave, on continue à avancer. Le but c'est quand même d'arriver face à lui, a priori. Donc oui, voilà, les transformations de l'alien, elles sont toutes... Elles sont très logiques en fait dans Prometheus. Je veux dire, il se fait infecter, je vous le rappelle, par cette espèce de gelée noir chelou là qui lui a été donnée par le synthétique justement, par Michael Fassbender. Je vais utiliser la chambre de reformatage, c'est la seule option. J'ai dû dévier une partie de l'énergie de la zone pour pouvoir tenter ma chance. Ok. Vous voyez ce que je disais en fait, c'est pour ça que ça va être compliqué de parler du film, parce que comme je vous dis, j'ai beaucoup de choses à dire. Le problème c'est qu'il y a le scénario qui vient interférer avec tout ça. Du blabla et compagnie, et du coup ça va être compliqué, à moins que je m'arrête, que je mette le jeu en pause, mais bon, c'est pas le but, c'est pas l'intérêt. Très bien, très très bien. Du coup j'ai rien à faire à part y aller, moi. Y'a rien à récupérer, y'a rien à ramasser, y'a rien à fouiller. Je peux plus vraiment me balader, ça m'a l'air d'être assez scripté là pour le coup. Y'a un point de sauvegarde, ok, impeccable. Et c'est là que ça part en couille, c'est ça. Donc oui, pour en finir rapidement, pour ce qui a été critiqué en point de vue de l'évolution du xénomorphe. Donc voilà, comme je disais, la première fois, le premier mec qu'on voit qui se transforme en espèce de zombie chelou, là où tu vois toutes ses veines qui deviennent noires, il se fait pas du tout infecter par un alien, il se fait infecter par cette masse liquide noire, très chelou en fait, qu'on peut voir tout, d'ailleurs au tout début du film. C'est le liquide comment ils les appellent déjà ? Les concepteurs là ? Non, c'est pas les concepteurs, ça c'est dans Tron. Ah, je sais plus. Ah merde ! Ah, j'ai un trou. Comment ils les appellent déjà ? Les. Ah ! Je trouve plus. Je trouve plus. Ah, c'est incroyable, j'en ai marre d'avoir ces trous de mémoire à la con là. Je vais trouver. Laissez-moi 2 minutes, j'avance après, promis. Non, je trouve plus, ça m'énerve. Bon, bref, les humanoïdes tout blancs, là, chelou, en fait, qu'on voit au début et à la fin du film, on voit tout début du film. La première scène qu'on voit, c'est on en voit un prendre, c'est justement cette masse visqueuse et noire. Il la boit comme ça, et en fait, ça le tue. C'est un truc qui te permet de. Qui le fait suicider, en fait, tout simplement. Et c'est exactement la même chose que l'autre a ingéré. Donc il y a ça, donc déjà pour moi il n'y a rien d'illogique là-dedans, je suis désolé, c'est écrit dans le bordel. La deuxième version, je crois, c'est quoi? C'est la meuf qui devient enceinte, mais forcément vu que l'autre a été infecté, en fait, il baise avec sa nana et l'autre elle tombe enceinte de cette espèce de truc hentai, plein de tentacules et compagnie. Tout le monde crachait dessus en mode mais ça c'est quoi ces conneries, ça a rien à foutre là, ça a rien à voir avec un alien. Les mecs, je vous rappelle encore une fois que la méthode de ponte,
va appeler ça comme ça, dans La Bonne Femme, n'a rien à voir avec la main, avec l'alien en question. C'est pas du tout, ça a pas du tout été foutu de la même façon. La troisième version, on voit ce même poulpe qui fait 4 fois la taille du bébé qui a accouché la meuf. Et encore une fois, je rappelle que c'est le principe de l'alien. L'alien naît, vous regardez tous les films, vous regardez tout l'univers étendu de l'alien. L'alien naît, c'est une petite masse informe dégueulasse qui ressemble plus à un serpent qu'autre chose. Et 2 heures après, c'est un truc immense. C'est parce que l'alien se grandit à vitesse accélérée par rapport à l'être humain. Jusque-là, il n'y a rien d'illogique. Donc voilà, et la troisième, donc c'est le dernier, c'était justement ce xénomorphe qui ressemble à moitié à un alien, mais pour la simple et bonne raison que bah, c'est justement ce poulpe hentai qui a pondu dans le grand bonhomme blanc, là, ça me gonfle, j'arrive plus à retrouver leur nom, ça me saoule, c'est pas très grave, vous voyez ce que je veux dire, et il lui a pondu là-dedans, à la base c'est pas un humain. Faut savoir que Alien, vous regardez l'univers étendu, l'univers d'Alien c'est un univers qui est hyper large, c'est aussi grand que l'univers Star Wars. C'est pour vous dire, c'est vraiment, il y a énormément de choses dans l'univers alien. Vous regardez dans tout l'univers alien, que ce soit les comics, que ce soit les films, que ce soit, il y a même eu des dessins animés qui sont nuls à chier, je vous conseille pas du tout d'aller voir ça, mais ça existe. Dans tout cet univers, l'alien à chaque fois a une forme différente selon l'hôte duquel il part, selon l'hôte dans lequel il vient en fait, selon l'hôte qui est dans lequel a été pondu l'œuf de l'alien et ce qui va en ressortir. Dans les comics, il y a même un alien qui a la forme et la taille d'un tyrannosaure. Oui, je déconne même pas, vérifiez, vous pouvez y aller, c'est véridique hein, ce que je vous dis. Il y a un alien qui fait la taille d'un building aussi, c'est parce qu'il a pondu dans une race extraterrestre inconnue dans les films et compagnie, qui sont des extraterrestres qui sont immenses, qui font la taille d'un building à l'échelle humaine. Et du coup, bah, ce qu'en ressort, c'est un truc gigantesque, forcément. Ça prend la forme et la morphologie, pas directement, mais indirectement, de l'hôte dans lequel a été pondu l'œuf. Donc oui, forcément, l'hôte que tu vois dans l'alien que tu vois, le xénomorphe que tu vois à la fin de Prometheus, n'est pas le même que tu peux apercevoir dans les autres aliens, et c'est normal. Il va lui ressembler un peu, pourquoi? Parce que les concepteurs, je vais les appeler comme ça parce que ça m'énerve, j'arrive plus à retrouver leur nom, parce que les concepteurs ont une forme humanoïde, parce que d'après le scénar qui est un peu bancal là-dessus, je veux bien l'admettre, disant que les concepteurs sont les créateurs de l'être humain, de la race humaine, forcément ils l'ont fait à notre image. Il y a beaucoup de religions en fait de porter là-dessus, ça me déplaît un peu, mais bon, bref, là-dessus, je peux pas revenir dessus. Et donc, forcément, ils ressemblent, ils sont humanoïdes, ils ont une forme humaine, donc forcément, le xénomorphe qui en sort ressemble de près ou de loin à celui qu'on connaît. Mais ce n'est pas le même, et c'est logique. Donc voilà pour ça. J'ai encore pas mal de choses à vous dire, mais bon, je vais avancer. Éviter de rester planté sans rien faire. Ok, Simon. Samuel, c'est trop dangereux. Non, oui, Samuel, c'est trop dangereux. Écoutez-moi, bonne chance. Mais... non ! Ok, toutes mes excuses. Depuis le début, je l'appelle Simons. Je me donne m'excuser, j'avais confondu. Il s'appelle Samuels. Voilà. Ceci étant dit, on s'en fout, c'est un putain d'androïde. Laisse-le crever, que son nom a branlé. Par contre, qu'est-ce qu'il fait ? Je comprends pas. Ah, il veut... Ah, oh, ok, je crois avoir compris. Il veut transformer sa carte mère en très gros en androïde Simpson. Initialisation de la connexion à Apollo. L'infection a été purgée. La créature n'est plus à bord. La station est en sécurité. Demande la suspension de toutes les opérations de confinement de danger. Allez, Ripley, Apollo est en train de repousser. On a peut-être un problème. Sans déconner. Apollo essaie de m'empêcher de communiquer. Oh non. Amanda, vous devez absolument déconnecter les systèmes manuellement. Je vous en prie. Samuels, je vais essayer. Attendez, vous devez le faire dans le bon ordre, sinon la chute risque d'être mortelle pour moi. J'essaie d'accéder au schéma de Simpson. Débranchez le câble rouge en premier. Là-bas. Ok, rouge en premier. Allez. Ok, donc ça part en couille. Très bien. C'est bon. Ensuite. Cherchez un câble bleu. Vous le voyez? Câble bleu, il est là. Là! Tac! Très bien! Ensuite, de toute façon, il y en a que 3, je crois. Je l'ai! Oh putain! Bleu déconnecté! Après? Ah non, il y en a 4. Je commence à avoir du mal à accéder au schéma.
Apollo ne facilite pas la tâche. Il faut le suivant, Samuels. Quoi? Qu'est-ce qui se passe dehors, Ripley? Les lumières d'urgence se sont allumées. J'arrive pas à différencier la couleur des câbles. Il va falloir me guider. Le suivant devrait être branché dans une prise murale. Je me souviens qu'il y avait un chariot retourné à côté. Là, ok, c'est le vert. Oui. Cherchez un panneau de sol ouvert. Il devrait y avoir un android désactivé pas très loin. Là. J'ai. C'est bon, on y arrive. On y arrive, Samuel. On va te sauver. Même si j'en ai absolument aucune envie. Plus que le dernier maintenant, s'il te plaît. C'est parti. Fait. Et maintenant. Toujours ami ou... Eh merde. Oh! Samuels, vous êtes en train de mourir. C'est pas grave, on s'en fout. Comme si j'avais vraiment vécu. Exactement. Je vous en remercie. Samuels. Le transit d'Apollo est ouvert. Une fois que vous serez dans le noyau, il vous parlera. Vous avez fait ça pour moi? Je voulais qu'Amanda Ripley puisse tourner la page. Oh! Oh, mignon. Rien à foutre, c'est un putain de synthétique. Je l'emmerde. C'est marrant, cette, ça me fait vraiment penser à Alien 2, pour le coup. Avec le rapport que Ripley... Ricardo, si t'es là, réponds. Avec le rapport que Ripley a avec Bishop. Je suis là, pardon. Samuel, c'est mort. Merde. Il a ouvert le transit d'Apollo pour moi. Je vais y aller directement. Je vais faire en sorte qu'Apollo lève le verrou. Je regarde juste où est-ce que je dois aller, du coup. Ouais, faut que je regarde en arrière, ça. Utiliser le transit privé vers le noyau d'Apollo, très bien. Ouais, ça me fait un peu penser à la relation... Enfin, la relation. Le rapport qu'avait, effectivement, Ripley avec Bishop dans Alien 2. Dans Aliens le retour, hein. Là, il y a du mouvement. Donc ouais, je vois ça plus comme un clin d'œil, plutôt même du, enfin carrément, du fin de service, plus qu'autre chose. J'ai encore un taser, ouais, c'est mon dernier taser, est-ce que je le gâche? Non. Non, je vais pas le gâcher, j'ai plus que 3 balles de fusil à pompe. Je cours si je veux, déjà d'une... Attends, 2 secondes. J'essaye de... Loupé. N'hésitez pas à me demander des renseignements sur les protocoles de sécurité de Wilson. Ok, c'est pas la bonne solution. Attends, 2 secondes. 2 secondes. Vous allez vous faire mal. Mais non. J'ai pas envie de gâcher mon dernier truc. Minuem, je pourrais en ramasser en revenant en arrière. C'est une violation. Voilà, là je te défonce. Voilà! Tu crèves. Putain, on est passé en 2 FPS là d'un coup, là c'était chelou. Ok, est-ce que je peux. Non, je peux pas en recréer. J'ai dit que je pourrais en ramasser. Alors, on va recharger le revolver. Parfait. Ouais, en revenant en arrière dans la salle. Dans la salle où il y avait plein de mini-EM dans tous les sens, là on va en ramasser. Ça sera. Ce sera gratuit, si tant est que je puisse y retourner, bien entendu. D'ailleurs, je vais sauvegarder ici. On en est où dans l'épisode? Putain, mais ça passe vite, en fait, ces conneries. Tac, ok. Du coup, je suis pas descendu, je suis en train de remarquer. Il y avait donc la fameuse porte, là, en bas. On va y aller. Bah, c'est probablement là où je dois aller, d'ailleurs. Rip, je viens de trouver un truc, un enregistrement. Faut que t'écoutes ça. Vas-y, balance. 2 secondes. Ouais, non, ok, je dois aller de l'autre côté. J'ai envie de descendre. Toi, c'est Marlo, c'est bien ça? Ouais. Oh, Marlo. Moi, c'est Taylor, chef de secteur chez Wayland. What? Oh, la grosse artillerie, hein. Elle est passée où, la gamine, avec des problèmes d'identité? Laisse Ripley en dehors de ça. Elle cherche juste des réponses. Moi, je veux plutôt préserver les intérêts de Wayland Yutani. Et moi, je voudrais bien sortir de cette foutue cellule. Peut-être qu'on peut s'arranger. Wait, on est où là? Peut-être
peut-être. Je sais pas si t'as remarqué, mais notre conversation est enregistrée. J'ai vu. Il y a la petite lumière rouge. Il me faut des données. Les coordonnées du planétoïde où vous avez trouvé l'épave. Toutes les données que vous possédez sur les origines de cet organisme. Attendez, deux secondes. Je sais, je coupe depuis tout à l'heure, je coupe un peu l'enregistrement là qu'on entend. En tout cas, qui est très intéressant après, déjà. Parce qu'apparemment, la petite Taylor, là, elle nous aurait trahi, la salope. Ah, mais oui! Oui, ça y est, mais je suis con. Je vois très bien où on est, en fait. Effectivement, on était déjà passé là il y a un moment. Donc on s'en fout. Donc je vais remonter, je vais reprendre. Je peux te donner tout ça. C'est aussi un moyen de sortir de la station. Faut juste que tu me fasses sortir. Ta proposition me paraît acceptable. C'est quoi ce bordel? Taylor, fais-moi sortir de là, tout de suite! Fais-moi sortir! J'ai entendu. Ok, mais du coup, j'ai plus du tout envie de la sauver, la petite Taylor, là, cette salope. C'est elle, la traîtresse, en fait. C'est elle qui a foutu la merde. C'est pour ça qu'on est là. On est là pour... parce que Taylor, elle voulait juste récolter des informations sur le... Je suis pas au bon endroit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Utiliser le transit privé vers le noyau d'Apollo. Je descends, là ? Putain, merde, c'était en bas. Non ? Transit de sécurité d'Apollo. Non, mais c'est ça. Utiliser le transit privé vers le noyau d'Apollo. Je sais pas, l'objectif il me marque pas ici en fait. Oh putain, il y a vraiment des trucs qui sont pas super bien foutus, je trouve. Écoute, je vais prendre ça, tant pis, on va stopper un temps de chargement, c'est pas très grave. Ouais. Donc oui, effectivement, Taylor était là, est venu ici juste pour récolter des informations sur l'alien et éventuellement, pourquoi pas le récupérer pour Wallan Yutani. Salope ! Ah putain, je pensais pas ça d'elle. Je suis déçu. Alors, ok, non, c'est bon. Transit privé d'Apollo est disponible. Embarqué à destination du cœur d'Apollo. Voilà. Attendez, je vais déjà aller recharger mes mini-E et mes compagnies. Ça, c'est impeccable. Ça fait des trucs gratos. Pile de lampe torche. Tiens, je vais recharger une pile de lampe torche, comme ça on sera full aussi. Hop là, voilà. Une mini, il y en a une là. Ça, c'est des piles. Après, ouais, je crois que c'est tout en fait. Parce qu'après, ouais, c'est que des cocktails Molotov. Et ça m'a tout l'air d'être tout. Très bien, bon. Tac, et donc. Ah merde, j'étais au bon endroit. Non, j'étais pas. Non, c'est bon, c'est à droite. Ok. Cette musique qui me stresse. Enfin, c'est pas une musique. C'est une alerte, une sonnerie plus qu'autre chose. Ok, c'est bien celui-là, hein. Ça m'a tout l'air d'être ça. Très bien. Très bien. Ok, bon, bah on avance, hein, on avance, ça fait plaisir. Là, je dois avouer que le scénario prend une tournure à laquelle je ne m'y attendais pas. Je soupçonnais plus Samuels que Taylor, là, pour le coup. Et bah, du coup, Taylor, cette petite catin, elle nous a trahis. Depuis le début, en fait, elle bosse pour Wallan. Bon, ça, à la rigueur, c'est pas une surprise, on le savait. Mais elle bosse pour Wallan dans le mauvais côté des choses, parce que, bah, elle savait clairement que l'alien était là. Quoique non, bah non, attends, je suis con. Non, elle lui a parlé. Enfin, si, elle le savait, mais elle a parlé à comment il s'appelle déjà? Au mec qui était emprisonné, là. J'ai un problème avec les noms, de toute façon, c'est pas nouveau, les mecs. Et en fait, elle lui a dit, en gros, si tu me donnes toutes les informations... De toute façon, vous l'avez entendu, si tu me donnes toutes les informations, je peux te faire sortir de là. Sauf qu'apparemment, elle a pas vraiment réussi à respecter son contrat, la petite catin. Elle s'est barrée. Oh, ça pue la merde. Je te dis, l'alien, on va forcément le revoir, j'en suis sûr et certain.
On va le revoir, on va y avoir une couille dans le pâté qui fait qu'il y aura du coup Taylor. Je pensais à Samuels, mais du coup non, ce sera Taylor qui va foutre sa merde, qui va certainement ramener l'alien en mode ouais, c'est bon, je l'ai capturé, je le ramène à Boyland. Bande d'abrutis. Obtenir un accès direct au noyau. Toute la zone abrite les systèmes de support d'Apollo, avec l'IA dont le noyau est au centre. Apollo a empêché Samuels de lever le verrou à distance, mais Samuels a réussi à faire en sorte qu'Apollo te parle une fois que tu seras dedans. Parfait. Pensez aux autres voyageurs. Emportez vos déchets avec vous. Parfait, parfait. Du coup, on va causer avec une IA. Ça va être marrant. C'est moi ou la navette vient de repartir là? La navette vient de repartir. Ok. Serais-je suivi? Par Taylor, par exemple, hein, au pif. Ça m'étonnerait qu'à moitié. Alors, personne. Hein. Ensemble pour demain, numéro 3. L'épopée de Sixson dans l'espace colonial. Une histoire officielle par Sébastien Sieg. Première impression chez Regard Sixson. Notre ascension vers Sebastian. Mais on l'a déjà lu aussi. On l'a déjà lu aussi, ça. On s'en fout alors. Confinement de danger. Attends, utilitaire. Ok. Je me suis rendu à Apollo pour trouver ce qui a rendu les synthétiques dingues. Cet endroit est devenu un enfer. Apollo a redirigé les missions primaires des androïdes et a laissé en plan la maintenance qu'on avait demandé après la nouvelle. J'ai fait une demande d'aide, mais je suis 45e sur la liste d'attente. Les systèmes sont tout à coup complètement obnubilés par les mesures de confinement. Je vais trouver un moyen de descendre. Speeding, terminé. D'accord, en fait, je disais des conneries juste avant. Dans l'épisode précédent, je disais que Scudding, c'était un synthétique, mais alors apparemment pas du tout. Très bien, réception. On voit que dalle. Donc là, on est d'accord, on n'est jamais venu. Là, c'est la première fois qu'on fout les pieds ici, a priori. De toute façon, on a juste à regarder le plan. Ouais, clairement, c'est la première fois qu'on fout les pieds ici. Ok. Arme à feu détectée. Mais non, je suis pas passé dedans. C'est pas vrai. Veuillez déposer les armes à feu sur le tapis de sécurité. Oh, il est où ton tapis de sécurité de mort là? Oh putain, c'est sérieux. Je me retrouve à poil, moi. Attends. C'est le truc classique, ça, en fait. C'est con, mais tu retrouves ça dans pas mal de jeux. Notamment dans Bioshock. Sauf que là, j'ai pas de plasmide pour me défendre. Sixson et Apollo, remercie pour votre aide. Tu parles. Et merde. Ramasse-les. Chier. Ok. Ah, il me reste le taser. Bon, j'ai plus qu'un seul... Et, ah, puis il me reste tout le reste aussi. Impeccable. Par contre, j'ai plus qu'une seule recharge de taser. L'ascenseur d'accès au noyau d'Apollo est actuellement hors ligne. Les systèmes primaires d'Apollo sont actuellement inaccessibles. Ricardo, l'entrée est bloquée. Il doit y avoir des schémas utilisés pendant la visite des acheteurs de Sébastopol. Il y a peut-être une porte arrière. Mot de passe requis. Porte arrière. Faut repasser par là. Oh, apparemment, je suis dedans. Oui. Qu'est-ce que je suis censé trouver là? Je trouve une porte, a priori. Je sais pas où elle est, ta putain de porte, moi. Apparemment, c'est sur ma droite. Enfin, non, c'est là. T'es sérieux? Ah! 49-30. Ok, voyons. Il y a une liaison électrique jusqu'au noyau d'Apollo. Je peux l'utiliser. Tu penses pouvoir passer? Éteindre les systèmes électriques, respirer un bon coup, se plier en quatre? Fastoche. Compte pas sur moi pour venir te sortir de là si t'es coincé. Ah bah c'est sympa ça. Couper l'alimentation du conduit. Non mais 49-30 là, c'est bon, j'ai le mot de passe là. Et tout.
this time. Ouais, essaye de t'en souvenir cette fois-ci, 49-30. Voilà. Pas besoin de s'emmerder, je comprends pas. Mais non. Bah oui, voilà. Ça va faire mal de ramper dans un couloir sous tension, non? Je vais l'éteindre d'abord. Mais c'est terriblement classe ici. J'adore ce genre de sol comme ça avec les reflets. Bon, on se voit pas dedans, mais... on est un peu sous forme de vampire, du coup, mais bon, c'est pas très grave. Ok, impeccable, impeccable, impeccable. Bien, et bah écoutez, on va s'arrêter là donc pour cet épisode. Left Hemisphere Overview et... Right Hemisphere Overview, ok, très bien. On va s'arrêter là pour cet épisode numéro 24. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires au niveau de Prometheus. Parce que je pense très sincèrement que beaucoup de monde ne sera pas d'accord avec moi sur quelques détails, même si je n'ai pas tout exposé. En tout cas, ce serait un réel plaisir de débattre avec vous sur ce sujet dans les commentaires, chers amis. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et je continuerai à en parler plus dans les commentaires que dans les épisodes, parce que dans les épisodes c'est compliqué, c'est chiant, il y a plein de trucs qui se passent, il y a le scénario qui se met par-dessus, les mecs qui te parlent et tout, qui te coupent la parole, et du coup j'oublie ce que je veux dire, enfin bref c'est le bordel. Donc du coup voilà, j'ai dit deux ou trois petites choses, n'hésitez pas à continuer, je vous dis, à en débattre et dans les commentaires, et on pourra en parler plus amplement et plus en détail dans les commentaires avec grand plaisir. Voilà, sur ce, je vous abandonne ici et je vous dis à très bientôt, chers amis. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Ciao, ciao, et surtout, portez-vous bien, chers amis, c'est le plus important. Allez, bye bye!